Je voulais vous lire un mot de soutien de Mario Borghezio, député de la Ligue du Nord au Parlement européen. Je m'associe à votre position dans la réflexion sur le caractère inconciliable des normes islamiques entre les préceptes islamiques et les axes majeurs du système juridique des pays civilisés de l'Occident. Nous ne devons pas nous résigner devant les injonctions douces, coutumes et habitudes qui bouleversent les nôtres, à commencer par le risque de voir imposer la charia comme système juridique alternatif au nôtre. En Italie, l'opinion publique se mobilise sur le cas extrême d'un père musulman qui bouche les oreilles de sa fille pendant le cours d'éducation musicale qu'il considère comme une matière impure. Sur la question encore plus importante de l'abattage islamique, il y a eu dans notre pays une prise de conscience courageuse et claire de la part de vétérinaires qui en contestent le caractère barbare et réclament le droit à l'objection de conscience, se refusant d'assister à de tels spectacles indignes de notre civilisation. Sur ces thèmes, évidemment, je suis en train de solliciter la Commission européenne et le Conseil européen avec des questions au Parlement européen et je vous souhaite de bonnes assises internationales. Mario Borghezio.